Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais vous partager mes indispensables de chez Action. Donc ce sont des produits que j'ai tout le temps en stock à la maison, ce sont des produits que j'achète très régulièrement et ce sont des produits dont je suis très contente. Avant de commencer, un petit rappel, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, je vais commencer par un grand classique, ce sont des lingettes microfibres. Je les trouve très bien, celles d'Action, et elles sont vraiment pas chères. Celles-là, je les avais achetées à la semaine d'Action, comme ça j'en ai des 9 en stock. Voilà, pour le ménage, c'est nickel, pour les vitres, les surfaces. Voilà, vraiment, j'adore ces lingettes. Donc là, c'est des multi-surfaces. C'est toutes les mêmes, la même épaisseur, c'est la même fibre, voilà. Voilà, donc là j'avais pris un lot, comme ça je l'ai en stock, vraiment les lingettes microfibres, c'est un classique pour moi chez Action, voilà, elles sont très bien et pas chères. Pour utiliser les chiffons microfibres, évidemment j'utilise des produits, alors je vous partage une de mes gammes préférées de chez Action, c'est la gamme A Good Clean, je les adore, voilà. Donc ça, c'est le fameux produit rose. Alors, il y a 98% plantes, à base de plantes, voilà. Plantes ingrédients, alors c'est en anglais évidemment, hein. Et 100% recyclées bouteilles, voilà. A Good Clean Naturally. Et là, c'est rosemary, gingembre, c'est romarin, gingembre, le rose. Il sent trop bon. Et celui-là, il est pour toutes les surfaces. Moi, je m'en sers surtout pour la table, les chaises, les vitres. Voilà, toutes les surfaces, quoi. Celui-là, vraiment, c'est un classique. Je m'en sers pour tout. Voilà, vraiment, celui-là, il est très, très bien. Ensuite, j'ai celui pour la cuisine, Kitchen Cleaner, voilà, hein, de la marque A Good Clean. Et celui-là, il est au citron et poivre noir, voilà. Les parfums sont juste incroyables, j'adore les utiliser, vraiment j'adore les utiliser. Et celui-là, évidemment, je m'en sers pour ma plaque de cuisson, plan de travail, voilà, évier, voilà. Celui-là, vraiment, c'est un que je me sers le plus au niveau cuisine. Et on a celui spécial salle de bain. Donc celui-là, il est bergamote et jasmin. Voilà, donc je m'en sers surtout ben, pour... je fais les vitres aussi à la salle de bain. Celui-là, je le garde à la salle de bain. Je fais les vitres des miroirs à la salle de bain. Et tout ce qui est tuyauterie. Voilà, tuyauterie. Vraiment, j'en suis très contente. Et c'est vrai que les parfums, ils sont très agréables. Voilà. Donc vraiment un gros coup de cœur sur cette gamme, vraiment voilà, ce sont des produits que j'adore et que j'ai tout le temps en stock à la maison, vraiment ceux-là je les adore, sachant qu'ils ont aussi le liquide vaisselle, alors j'en ai un, par contre je n'en rachèterai pas, j'avais pris celui-là pour avoir du liquide vaisselle en stock au cas où en dépannage, parce que j'en suis pas fan. L'odeur est sympa, hein. L'odeur c'est orange jasmin. Par contre, je trouve qu'il ne mousse pas beaucoup. Il faut en mettre. Voilà. Je trouve qu'on en utilise beaucoup comparé aux autres. Je préfère largement le liquide vaisselle Eco Plus à la pomme. Voilà. Donc je l'ai, je le garde au cas où si je me retrouve en rupture de liquide vaisselle, je l'aurai en dépannage, mais je n'en rachèterai pas. Donc ce sont des produits qu'on trouve toute l'année à Action, hein. Ce n'est pas des produits de saison, voilà, ils sont toute l'année dans les rayons, voilà. Donc c'est plus des produits d'entretien pour la maison et la cuisine, voilà, qu'on trouve toute l'année.
Donc, les éponges, voilà, celles-là, je les aime beaucoup. Elles sont très efficaces, petit côté grattant, là, pour la vaisselle, voilà, celles-là, j'aime beaucoup. Donc, c'est un lot de trois. Hein. Là, j'en ai plus. D'ailleurs, de faire cette vidéo, ça m'a permis de voir ce que j'ai, ce qui me reste en stock. Donc, c'est la dernière éponge neuve que j'ai. Donc, celle-là, il faudra que j'en rachète. Voilà, elles sont très bien. J'achète aussi les petites boules inox. Voilà, elles sont vendues en lot de 3 aussi. Elles sont vraiment pas chères. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour décrasser quand c'est dur, pour les poêles, les casseroles, voilà, les choses comme ça. Le thermomix, voilà. Les choses vraiment en acier, quoi. Voilà. Donc, les petites boules inox. Les gants de ménage. Voilà, ils sont très bien. Moi, je prends la taille M. Voilà. Ils sont très bien, j'ai rien à dire. Des gants de ménage. Ils sont très bien et pas chers. Les lingettes de la marque Spargo au citron. Très efficaces. L'odeur est plutôt agréable. C'est au citron. C'est parfait. Voilà, ça sent le frais. Voilà, vraiment, celles-là, elles sont très bien. Vous pouvez les utiliser, évidemment, ben, pour plein de choses. Hein, voilà. Ou les choses vraiment très sales que quand vous ne voulez pas utiliser des microfibres. Voilà. Vraiment, celles-là, elles sont très bien. J'ai tout le temps en stock des lingettes dépoussiérantes. Toujours de la marque Spargo que j'utilise avec le balai Swiffer. Voilà. Elle s'accroche. Attendez que je regarde. Voilà. Ça s'accroche au balai. Hein, voilà. Moi, je les utilise avec le balai Swiffer. Ça attrape bien la poussière et les poils. Voilà. Comme j'ai des animaux. Voilà. Celle-là, j'en ai tout le temps en stock. Voilà. Pour les toilettes. Je suis fan de ces petites fleurs. Voilà, donc j'ai des petites fleurs comme ça. J'essaye d'en avoir tout le temps en stock et j'en ai toujours une ouverte. Donc elle se lève. Le couvercle se lève comme ça. Voilà. Hop. Et à l'intérieur, il y a du gel parfumé. Voilà. Celle-là, elle est à la lavande. Mais ça, elle sent super bon. Alors à chaque fois, j'ai tout le temps des parfums différents pour changer. Voilà, donc je les pose dans mes toilettes. Celle-là, elle est à la vanille. Lavande, vanille. Et celle-là, elle est au jasmin. Voilà, donc, alors, dans mes toilettes, ça marche très bien parce que j'ai des toilettes qui sont plutôt petites. C'est une petite pièce. Donc, quand on ouvre la porte, on rentre, on sent de suite le parfum. Après, pour celles qui ont des pièces plus grandes, je ne sais pas au niveau efficacité si ça parfume bien. En tout cas, pour des petites toilettes, c'est très bien. Voilà, moi, elles me conviennent parce que j'ai des petites toilettes. Ensuite, oui. Je ne repasse pas le linge. Je n'utilise pas de fer à repasser, je repasse pas le linge parce que alors là je m'en sortirai pas. Donc quand j'ai vraiment besoin de repasser un vêtement pour une occasion ou voilà hein, quand c'est vraiment très froissé et que ça doit pas être froissé, voilà quand on sort, quand voilà pour une occasion particulière, j'ai ceci. Donc ça c'est juste super, ça marche super bien. C'est pour repasser avec les mains. J'adore. C'est-à-dire qu'on prend le vêtement, on le pose hein, sur une surface plane, on pchite le produit et on laisse un peu agir et avec les mains, on vient appuyer sur les plis, on vient étaler et repasser avec les mains. Voilà. Et ça marche super bien. J'adore vraiment ce produit. Voilà. Moi qui ne repasse pas, qui n'utilise pas de fer à repasser, ça dépanne vraiment quand on a besoin de repasser un vêtement. Voilà, ça, il marche très bien, j'en suis très contente. Voilà, Fix & Go, j'adore ce produit.
Ensuite, pour détartrer ma bouilloire, j'ai trouvé un produit super efficace. Je m'en sers principalement pour ma bouilloire. Ça marche super bien. Voilà, donc on dilue le produit à l'intérieur avec de l'eau. Hein, on met un peu de produit et un peu d'eau. On laisse agir. C'est super rapide. Le tartre se décolle, mais direct. Vraiment très, très efficace. À manipuler avec précaution, évidemment. Mais vraiment, pour la bouilloire, voilà, là, il y a les cafetières aussi, je crois. Attendez, j'essaie de zoomer les dessins. Voilà, pour vraiment détartrer, on peut l'utiliser aussi sur l'évier. Et ça ne veut pas me faire le zoom. Voilà, donc ce produit, je le valide. Il marche super bien, très efficace. J'adore. Vraiment, je ne perds pas de temps quand je veux détartrer ma bouilloire vite fait. Voilà, c'est super efficace, vite fait. Vraiment, j'adore. Ensuite, ben, pour la cuisine, j'achète ces petits sacs. Alors, c'est des petits sacs en plastique, hein, des petits sachets là en plastique. Ceux-là, ils font 3 litres. Hein. Voilà, des petits sachets en plastique. Alors, je m'en sers vraiment pour tout. Hein. Pas que pour la congélation. Je m'en sers pour ranger mon pain maison à l'intérieur. Comme ça, il reste bien, bien moelleux. Hein. Voilà, il ne sèche pas. Donc, je m'en sers pour ranger mon pain. Quand les enfants ils ont des petites choses à transporter, ben voilà, hein, je me sers de sachets pour les pique-niques, pour voilà, vraiment je m'en sers pour tout. Ces petits sachets plastiques là, ils sont très pratiques pour le quotidien. Voilà, ceux-là je les adore. Hein, pour moi c'est une de mes bases à avoir à la cuisine, vraiment très utile. Et il me reste, alors il me reste que celui-là parce qu'il est déjà entamé, donc ça veut dire qu'il faut que j'en rachète. Voilà, ben c'est du papier cuisson. Hein. Ce sont des feuilles déjà toutes prêtes. Ça fait pile la taille de ma plaque de cuisson. Vraiment, voilà, celle-là, c'est un de mes indispensables en cuisine. Voilà, vraiment. Voilà, et là, je sais qu'il va falloir que j'en rachète. J'en ai plus en stock. C'est le dernier paquet que j'ai ouvert. Voilà, voilà. Je regarde si j'ai rien oublié. Voilà. Mais dites-moi en commentaire, vous, si parmi les produits que je vous ai montrés, vous aussi, vous avez vos indispensables qui en font partie. Si vous avez des produits que vous aimez aussi. Voilà, voilà. Voilà, voilà. sur ce, j'espère que ce partage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, évidemment. Et moi, je vous dis à très bientôt. A rich man's world.